Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage pro du confinement. Alors première chose que vous devrez faire, c'est aller parler au personnage pro du confinement. Alors ce personnage se trouve juste ici au camp de la morue, juste ici sur le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement là et allez parler au personnage. Donc il se trouve dans cette grange. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, le personnage est juste ici. Hop, je lui parle et là vous allez devoir accepter les quêtes pour déclencher la série de 5 quêtes. Donc les 5 défis. Alors maintenant le premier défi va vous demander de déployer les sismographes à Misty Midon ou à Catty Corner. Donc moi je vous conseille d'aller à Catty Corner, comme ça vous vous rapprochez du prochain défi, enfin des objectifs du prochain défi. Donc voilà, rendez-vous à Catty Corner juste ici, regardez sur le gameplay. Donc juste ici, il y a 3 sismographes que vous allez pouvoir déployer. Donc il y en a un derrière le garage, juste ici, voilà. Voilà, on me tire dessus, faut que je fasse gaffe. Il y en a un autre qui se trouve près du van de rétablissement, juste ici, regardez. On voit déjà la lueur bleue, hop. Et il reste un troisième qui se trouve près de la caravane, juste au bout. J'espère que je ne vais pas me faire tuer. Donc voilà, il est juste là. Oh là, il y a quelqu'un. Hop, vite, vite, vite. Voilà, là j'ai terminé le deuxième défi. Maintenant, le troisième défi va vous demander de détruire des mini bibandum avec une pioche à Slugvisamp, Lazy Lake ou Retyro. Donc là, je vais me rendre à Retyro parce que je suis juste à côté. Et puis, c'est le meilleur chemin pour le faire. Donc voilà, rendez-vous à Retyro. Donc sur le parking, dans ce magasin-ci, vous allez voir qu'il y a plusieurs bibandum. Donc rendez-vous juste ici. Je vous montre sur la carte. C'est juste ici. Hop. Rendez-vous à cet emplacement-là et détruisez 3 bibandum pour terminer le défi. Donc voilà, maintenant, le troisième défi va vous demander d'obtenir des pièces mécaniques en détruisant des véhicules. Donc là, vous allez devoir vous rendre près d'un véhicule et détruire le véhicule pour obtenir 5 pièces. Donc vous allez devoir détruire au total 5 véhicules. Donc là sur le, le parking de Retyro, il a déjà pas mal de véhicules. Donc je vais les détruire et je vais récolter 5 pièces. Donc voilà, regardez, là j'ai détruit un véhicule et hop, il y a une pièce qui est juste en dessous. Donc vous allez devoir faire ça à 5 véhicules pour récupérer 5 pièces. Alors j'ai détruit une voiture de Lio et la voiture de Lio m'a carrément donné 3 pièces si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à détruire les voitures de Lio parce qu'elles ont beaucoup plus de pièces mécaniques sur elles. Donc ce sera beaucoup plus facile si vous voulez réaliser le défi plus rapidement. Alors voyons voir si le camion de... Bah attention, il m'en manque plus qu'une donc... Ouais, de toute façon je pense qu'il n'y avait qu'une seule pièce. Je pense qu'il n'y a que les véhicules de Lio qui ont plusieurs pièces. Alors maintenant, le prochain défi va vous demander de placer des panneaux SOS à Holy Edge, à Dirty Docks ou à Pleasant Park. Donc moi, je vais me rendre à Pleasant Park parce que c'est le seul emplacement où je connais 3 emplacements de panneaux SOS. Donc voilà, j'arrive à Pleasant Park. Alors le premier panneau que je vais vous présenter se trouve juste ici à côté de la maison jaune, juste avant de rentrer dans le sous-sol. Ensuite, le deuxième panneau se trouve devant la maison qui est juste là-bas. Donc derrière plutôt, derrière la maison à la porte arrière. Voilà, qui est juste ici. Et le troisième emplacement se trouve en face de la maison là-bas. Donc juste ici, regardez. Hop. Et maintenant, le dernier défi va vous demander de déployer un piège à fantômes. Donc logiquement, le piège à fantômes, ça se trouve en plein milieu de la map. Donc voilà, il était juste ici à Pleasant Park. Et voilà qui termine le guide complet des défis du personnage... du confinement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao, peace.